Radio Sport, Radio Sport. Sport. Monsieur le maire, François Baroin, une étape exceptionnelle, 3 fait coup double, départ arrivé. Oui, c'est exceptionnel, c'est presque historique, puisque je crois comprendre qu'en un siècle, il y en a une dizaine qui se sont retrouvés dans ce cas-là. Pour nous, c'est un honneur, c'est un prestige, c'est une exigence. C'est un bonheur populaire, c'est une ville populaire, c'est un département magnifique. Et cette côte des Bars avec ses chemins blancs, si ça peut devenir ou s'inscrire dans la durée, on sera toujours candidat, parce que rien ne remplace le Tour de France, et c'est une joie enfantine que l'on essaie de faire partager à tous. Et tout le monde attend cette étape parce que c'est quelque chose d'inhabituel quand même, avec ces passages, ces 14 passages chemin blanc. C'est sûr. C'est au milieu des vignes, j'allais dire. Ouais, en plus, dans un spectacle magnifique, les vignes étaient magnifiques. Ça a été fait pour le Tour de France féminin, je crois que ça a bien plu aux organisateurs, et c'est quelque chose d'assez unique. C'est un élément d'identité du paysage français. Il est chez nous et il revient à 3 ce soir, donc on est impatient de suivre l'évolution de la course. Un Français à l'arrivée ? Ah ben ça, ce serait le rêve. Merci. Merci. Radio Sport, Radio Sport.